bonjour Karine. Bonjour. Alors, vous êtes Karine de Cabamiel et vous vendez tout ce qui est miel, etc. Vous allez nous en dire plus sur le marché de Petit-Bourg le vendredi, je crois, non ? C'est ça, le vendredi après-midi de 14h30 à 20h. Alors, dites-nous en plus, au niveau du miel, comment ça se passe ? C'est de la fabrication locale, artisanale ? Alors, nous avons une centaine de boîtes de ruches. Alors, nous fonctionnons en fonction des fleurs. Tantôt, nous sommes en Grande-Terre. Tantôt, nous sommes en Côte-Levant-Basse-Terre. Alors, nous, c'est de la production locale. Nous sommes des apiculteurs. Je fais ça avec mon époux. Nous faisons, les fleurs que nous faisons, c'est le miel de Campeche, Tandacaillou, les toutes fleurs de Grande-Terre, les toutes fleurs de Côte-Levant-Déhaye, Basse-Terre. Et Surette pour finir la floraison, Surette en Grande-Terre. Voilà. Et puis, ce que j'ai à dire, c'est que ce que je produis, c'est du miel et les produits de la ruche. Alors, je produis le pollen, la propolis, le vinaigre de miel et les bougies. Et j'en ai aussi des cassaves en barquette. Alors, c'est la cire d'abeille. Il y en a des clients qui m'achètent ça pour faire leur recette avec les cheveux. Et la peau. Alors très bien, alors Karine, au niveau des vertus du miel, quelles sont-elles, Karine ? Alors, le miel, il faut savoir que le miel, c'est un énergisant et un cicatrisant. Et il y a des vitamines dedans, c'est complet, c'est un aliment complet. Très bien, donc si je suis malade, je peux faire mon petit thé, rajouter du miel avec du citron, éventuellement de la cannelle. Si j'ai une petite coupure, une petite blessure, j'ai rien à proximité, que j'ai par exemple du miel, je peux en mettre un petit peu, ça va cicatriser, ça va aider à la cicatrisation plus rapide, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça. Également, on peut faire beaucoup de masques, n'est-ce pas ? Des miasses pour les cheveux, pour la peau. Très bien. Bon, on ne cache plus les vertus du miel, donc nous savons tous que le miel a de nombreuses vertus. Le miel, c'est bon pour l'intérieur, exactement comme pour l'extérieur du corps. Donc, à ne pas hésiter à consommer, hein, donc pour tout le monde, les enfants, les familles, les jeunes comme les moins jeunes. Hein. Voilà, à très bientôt sur ETV. Bye bye.